Salut, salut! Bon, alors aujourd'hui, je vais faire un petit vlog pour vous montrer le stress que j'engendre chaque année ou chaque 6 mois. Je me filme comme ça en bas parce que je suis en plein milieu d'une route. Je suis partie de la maison et en fait, j'ai oublié de me faire l'attestation. Donc, du coup, là, je me suis arrêtée dans un coin, j'ai fait l'attestation. J'ai tellement pas l'habitude de sortir pendant le confinement, je suis tellement restée à la maison que du coup, j'avais oublié de me faire une attestation de sortie. Donc là, j'ai rendez-vous pour une IRM cérébrale. Suite au cancer parce que j'ai souvent des vertiges et donc du coup je suis allée faire le test des oreilles pour savoir si c'était pas des cristaux que j'avais dans les oreilles ou des choses comme ça dans l'oreille interne et en fait non. Donc du coup l'ORL m'a prescrit par rapport à mes antécédents une IRM cérébrale, voilà, recherche du métastase. Donc je peux vous dire que j'ai pas dormi de la nuit, je suis en plein stress et puis voilà. Après j'ai pas d'autres signes donc je me dis ça sera rien. Putain, je me filme comme ça et j'ai le double menton. Donc là, je me dirige à la clinique et j'essaierai de filmer, mais je suis pas sûre de filmer là-bas parce que j'aime pas trop filmer. J'ai pas envie qu'on m'entende et tout ça, donc je verrai. Sinon, je vous filme en sortant et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Oh, double menton, oh là là, nom de Zeus. Je suis en stress. Il est 12h05, j'ai rendez-vous à 12h15, j'ai encore un quart d'heure de route. Je suis sortie à midi alors que c'est sorti. Il n'y a pas de confinement, c'est pas possible. Il n'y a pas de confinement. C'est pas possible. Il y a des bouchons dans ma ville, s'il vous plaît. Putain, alors déjà que je suis en stress. Et en plus, il y a des bouchons. La totale. Et en plus, je me filme d'en bas, s'il vous plaît. Alors, la totale. Bon, je suis presque arrêtée, donc je filme, mais bon, voilà. Bon, j'arrête de filmer parce que c'est interdit de filmer au volant, je sais, mais comme je suis dans les bouchons, même, c'est pas une excuse, mais voilà, je partage, mais là, je suis stressée, là. Putain, je suis en plein centre-ville, il y a des bouchons de malades. Ah, ça regarde les hommes, hein, les filles, hein. Ah, moi, tu me regardes pas, moi, hein. Ah là là, un groupe de filles qui regardent le mec devant, mais moi, personne ne me regarde à moi, me regarde pas à moi, je suis pas un mec, hein. Ah là là, les filles elles sont aussi dragueuses que les mecs, hein, faut croire. Hein. Là, je parle pas fort. J'ai la prise de sang. Je suis à moitié à poil. Voilà, donc là j'attends. Il va venir me chercher. Il m'a dit qu'il m'avait pour 10 minutes. Voilà, donc ils vont me mettre un petit produit, m'injecter. Et voilà. Donc il a dit qu'il venait dans quelques minutes. Donc je vous laisse. À tout à l'heure. Je vais juste terminer. Donc là, je pars à pied. C'est bon, j'ai terminé. Alors, ça s'est super bien passé. Par contre, 10 minutes avec un truc là sur la tête complètement écrasé, les oreilles complètement bouchées. Oh, j'avais l'oreille complètement écrasée, ça me faisait mal. J'ai mis des bouchons. Et heureusement, parce que ça tapait, ça faisait du bruit, ça faisait tac, 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 tac. Dans ta tête, c'était hallucinant. Les gens, ils me regardent là-bas. Ils doivent dire à qui elle parle celle-là. Et du coup, je suis trop contente. Résultat, rien à signaler. Je suis trop contente. Putain, j'ai stressé, mais un truc de malade. Alors, j'ai fait cette IRM parce que j'avais fait un snap sur ça. Et en fait, j'avais des vertiges. Je vous l'ai dit, non, tout à l'heure. J'avais des vertiges, vomissements. Et en fait, j'avais rien dans les oreilles. Donc, du coup, j'ai fait cet examen pour être sûre. Mais voilà, je vais pouvoir redormir sur mes deux oreilles. Tout va bien. Voilà, tout va bien, je touche du bois, tout va très bien, du côté de ma tête, donc ça va, c'est très très bien. Bah du coup, je sais pas pourquoi j'ai ces vertiges, c'est pas les cristaux internes, donc si vous savez, si ça vous arrive aussi, je pense pas que ce soit la maladie de la Meunière, vous savez, il y a une maladie qui s'appelle la Meunière, et pareil, c'est des vertiges, mais c'est tous les jours ça, je crois, parce que ma grand-mère, elle a eu, et non, ça doit pas être ça non plus, donc ouais. Bon, je vais me dépêcher parce que j'ai pris le ticket. Je sais pas combien je vais payer le parking. C'est gratuit la demi-heure, mais ça fait 2 heures que je suis là. Je pense que je vais payer 5 euros. Bon, mais je vais quand même finir cette journée avec un vlog. Hein. Je vais quand même finir la journée de ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis voilà, mais en tout cas, je suis trop contente. C'est négatif. Trop bien. J'avais jamais fait d'IRM depuis... Depuis, j'ai jamais fait d'IRM. Même au début, j'avais pas fait d'IRM. J'avais jamais fait d'IRM. Et du coup, ben, je peux écarter déjà métastase dans la tête. Donc ça, c'est trop trop bien. Je respire un grand coup et je voilà. Je vais continuer continuer ma gaieté comme
je l'ai tous les jours. Voilà, je sais plus quoi dire. Bon, allez, j'y vais parce que je vais pleurer. Je vais pleurer en arrivant au parking pour payer. Il m'arrive un truc de fou. J'avais posé ma carte. Casse ton téléphone. J'avais posé ma carte sur mes jambes. Elle est tombée. Je suis descendue de la voiture. J'ai cherché partout. Je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais pas comment je vais payer le parking. J'espère qu'ils prennent les pièces. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais c'est pas mon jour aujourd'hui. Je vous promets, c'est pas mon jour. Enfin, si, c'est mon jour. Parce que tout va bien. Mais alors, à côté de ça, c'est pas possible. J'ai perdu la carte dans la voiture. J'ai cherché partout. Mon Dieu, j'espère qu'ils prennent les pièces. Bon, je vous dirai ça tout à l'heure. Je suis dégoûtée, je suis verte là. Cet après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? Tyssen, qu'est-ce que tu fais? T'es en train d'enlever ton cours? Je quitte le cours avant l'heure, je me tague live. Du coup, on est allé avec Tyssen, on a voulu faire une petite sortie cet après-midi. Parce que vu qu'on voulait préparer le petit calendrier de l'Avent, parce que vu que Monsieur Chahine est jaloux, ben, il va falloir qu'on lui fasse aussi les petits, le petit calendrier de l'Avent. Tyssen? Et en fait, tous les rayons sont fermés. On a fait quoi? Action, Jiffy. En fait, il n'y a que de la bouffe ou des trucs de cuisine qui sont ouverts. Il n'y a rien qui est ouvert. Donc voilà. Et donc du coup, là, je vais filmer petite vidéo. J'ai tout préparé. Je suis avec un haut. Le haut que Tyssen a choisi la dernière fois. Et un bas de pyjama. Donc là, qu'est-ce que tu fais? T'as quitté le cours ou pas? Je regarde juste mon mail. Quel mail? T'as quitté le cours ou quoi? J'entends toujours ta prof parler. Oh, ça va, le petit minetier. Quoi? Tartec, hein? Il t'a envoyé? J'ai vendu 4 trucs. Ah ouais? Ça va, non? Elle a vendu 4 paires. Ils te l'ont dit? Ouais, mais elle bon, mais du coup, là, on va faire... Non, là, t'as, tu n'auras pas de t'attendre. C'est pour moi, j'espère. Non, c'est pour moi. Toi, t'as fait une commande pour toi. Regarde, j'ai le haut, d'ailleurs, que tu t'es choisi. Mais non, c'est pour moi. Moi, j'ai toujours pas reçu Chine, tiens. Arrête ou je te filme les jambes ouvertes. Les pointes de gym. Bon, alors déjà, on va faire ça. Et après, je reviens après pour vous dire qu'est-ce qu'on va manger. Et il y a le meilleur pâtissier. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, tu sais, elle va faire des fondants. Ouais, il y a le meilleur pâtissier. Moi aussi, je vais manger un gâteau devant le meilleur pâtissier, quoi. Tu viens de manger un Kit Kat? Et alors? T'es au régime, t'as dit. Mais je suis plus au régime, maman. Tu vois pas? Je suis en train de m'empiffrer, quoi. Comme une vache. Oui, je vois. Allez, on y go. Bon, du coup, journée terminée. Tyssen est en train de manger un petit gâteau yaourt, je ne sais pas. Tyssen? Ouais. Tu manges quoi? Un gâteau. Tu m'as pris un bout, j'espère. Ouais. Elle est en train de manger un gâteau yaourt. C'est le bordel derrière dans mon armoire. Et ben, journée terminée. Bon, le vlog, je pense qu'il sera court parce que ben, j'ai pas fait grand chose. Si on est sorti, comme je vous ai dit, on est sorti aussi pour commencer le calendrier, vu que jaloux. Vu que Chahine est jaloux avec le calendrier, lui aussi voulait un calendrier. On est parti voir si on trouvait des petits trucs. Voilà, voilà. C'est pas la peine d'écouter, hein. Tu sauras rien de plus. Ouais, hein. Il peut t'écouter. Ah ouais, tu sauras rien de plus. Hein. Voilà, donc là, je vais me démaquiller et je vais aller regarder le petit pâtissier. Et puis voilà, c'est tout. Allez. Bon, mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.